Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Black Ops 3 Zombie Chronicles sur la map Origins. Donc c'est un glitch qui consiste à faire bugger le Panzer. Donc il va spawn à la manche 8. Donc c'est un donc les Panzer vous pouvez tous les faire bugger hein, de cette façon là. Donc je vais vous montrer deux façons. Là je vais vous montrer la première façon. Elle est un peu plus difficile, la deuxième façon est beaucoup plus facile, mais le problème c'est que dans la deuxième façon, vous êtes dans un tas de boue. Donc pour survivre, c'est un peu plus difficile. Donc là, le principe c'est de faire à la manche 7, c'est de faire la manche ici, ok? Donc vous faites la manche ici, vous la terminez près du tank. Voilà, vous tuez, vous attendez le dernier zombie ici. Ah ben il est là. Voilà, dès qu'il est mort, vous montez. Vous montez, vous allez vers le générateur 6, ouais, c'est ça. Ouais, le 6, ouais. Et vous attendez, genre ici. Vous attendez ici, vous faites genre, faites attention de ne pas vous faire écraser par le robot. Et faites attention de ne pas vous faire tuer. Hein. Vous allez voir, le Panzer va spawn. Regardez, hop. Il spawn, mais il est cheaté, enfin, il est glitché. Donc voilà, ça c'est le premier spot. Il y a un deuxième spot. Que je vais vous montrer, je pense que c'est toutes les 5 manches qu'un spawn, un Panzer apparaît. Après, je suis pas sûr parce que je connais pas extrêmement bien la map. Mais je vais pas tuer le Panzer, je vais le laisser là. Et normalement, il va rester bloqué tout le temps. Donc je pense que parfois, vous pouvez avoir, je pense que le maximum sur la map Origin, le maximum de Panzer que vous pouvez avoir, c'est 3, je pense. Je suis pas sûr hein, de ce que je dis. Je pense que c'est 3. Donc vous allez pouvoir en glitcher 2. Ok? Et je pense qu'ils respawneront pas, tout simplement parce que comme ils sont là, ils vont pas en faire respawn 2, enfin 3, je pense pas. Hein. Donc j'avance rien. Je vais juste aller jusqu'à la manche 13, à l'endroit où je vous dis. Donc je vais améliorer mes armes parce que là, c'est pas vraiment possibilité de bouger. Et vous allez voir, le deuxième Panzer, il va bugger. Donc en fait, quand il bug, peut-être qu'il va disparaître celui-là, mais il va se finir en dessous de la map, mais il sera toujours en dessous de la map. On va peut-être plus le voir. Il sera en dessous de la map. Le deuxième glitch que je vais vous montrer, on va même pas le voir comme ça. Il va directement passer sous la map. Et je sais même pas si, j'arriverai à vous le montrer parce qu'il faut que la caméra soit dessus, quoi. Donc voilà, je vais avancer jusqu'à la manche 12-13. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Donc voilà, j'ai amélioré mes armes. J'ai fait tout ce que j'avais à faire pour pouvoir camper. Alors là, je vais aller à Tank Station. Donc c'est par ici le glitch. Vous allez ici. Donc comme je sais pas à quelle manche il va être, je vais essayer de rester concentré sur le glitch. Hein. Donc voilà, quand vous êtes au tank station, c'est là où il y a le deuxième. Le deuxième. Quand vous appelez le tank, il vient ici en fait la deuxième fois. Voilà. Alors le glitch, il se passe ici. Là vous voyez, il y a une branche en bois. Faut se mettre sur la branche en bois. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, je vais passer les manches. Donc regardez. Attendez, je pense que voilà le. Ouais, je pense que. Je crois que les balles passent à travers, mais en fait, non. Donc le Panzer il va tomber ici en fait, là où je tire. Il va tomber ici, comme s'il n'y avait pas de sol en fait. Il va passer à travers le sol. Donc là, je vais rester là et je vais essayer de rester attentif au bruit du Panzer. Donc c'est possible que je le loupe hein, parce que je sais pas à quelle manche exacte il vient. Donc je vais faire attention à la manche 13 et 14, même à la manche 12. Donc voilà. Je vais essayer de le choper, hein, de le voir. Et déjà quelque chose qui est sûr, c'est que le premier Panzer n'est pas revenu vers moi. Je ne l'ai pas revu depuis, donc ça fait déjà 4 manches. 3 manches. Alors là, je vous avouerai que ça devient assez chaud de tenir ici. Je suis pas encore tombé, mais c'est super chaud là. Ça, c'est pas la manche 16 non plus. Je suis tombé à la manche 16. C'est chaud, c'est chaud. Franchement, c'est chaud patate, hein. S'il apparaît pas maintenant, ça va être chaud patate. Il va falloir que je recommence. Eh, franchement, il apparaît pas. Hein. Il apparaît pas, donc je pense que. En fait, j'ai deux théories. La première théorie, c'est. Soit il est glitché. Il est glitché comme j'ai glitché le premier Panzer. Le deuxième n'apparaîtra jamais en fait. Comme j'ai toujours pas tué le premier Panzer, le deuxième ne pourra pas apparaître. Donc ça, c'est ma première théorie. Et la deuxième théorie, c'est que j'ai pas été assez haut dans les manches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir si le Panzer il est toujours là. Le premier Panzer que j'ai glitché.
Donc s'il est toujours là, je vais continuer les manches. Je vais aller jusqu'à la manche, allez, 30. Ouais, voilà, 30. Et je verrai bien si à la manche 30, il n'y a toujours pas de Panzer. Ça veut dire que le glitch est trop cheaté. Ça veut dire que vous glitchez un Panzer. Et le premier Panzer, vous le tuez pas. Et après, il y aura plus de Panzer. Il y aura plus de Panzer qui spawn. S'il y a plus de Panzer qui spawn, vous faites des parties au calme, tranquille, quoi. Posez, quoi. Et franchement, ça, c'est une big astuce, hein. Enfin, c'est un big glitch, quoi. Un glitch qui, franchement, il vaut de l'or. Donc, je vais aller voir, là, on y est presque. Hein. On va juste voir en bas à gauche. On ne le voit plus. On ne le voit plus. Ça veut dire qu'il est peut-être passé en dessous de la map. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'à la manche 30 sans aller dans un glitch et on verra bien. Mais de toute façon, je vais recommencer la partie et je vais vous montrer le glitch que je voulais vous montrer, donc le spot que je voulais vous montrer. Et si franchement le spot, si franchement vous faites glitcher le premier Panzer, il n'y a plus aucun Panzer qui vienne, je vous conseille de faire le premier spot où j'étais, enfin le deuxième spot où j'étais. Ouh mon pote, regarde ça comment j'ai trop chaud. Je vous conseille de... Putain, franchement, c'est... J'ai chaud patate, mon pote. Donc, je vous conseille de faire le premier spot. Pas celui-là, parce qu'il est un peu plus difficile à faire, mais le deuxième spot que je vais vous montrer. Donc, je vous dis à tout de suite pour la suite. Donc, voilà, la partie avant, je suis mort à la manche 22. Voilà, j'ai tout perdu. Je pensais résister, mais j'ai pas réussi. Donc, voilà, mais de toute façon, jusqu'à la manche 22, il n'y a toujours pas eu de spawn de Panzer. Donc, comme je suis mort, j'ai essayé d'aller dans le mode studio. Pour voir pourquoi le Panzer n'avait pas spawn, mais ça n'a pas fonctionné car quand je vais dans le mode studio, je fais avance rapide et ça ne fonctionne pas en fait, ça bug. Donc voilà, là je recommence une partie. Je vais faire exprès de mourir, enfin pas vraiment exprès, mais je vais essayer de survivre le plus longtemps. Essayer de voir si le Panzer, on sait le voir, parce qu'en fait je pense qu'il est passé, mais on l'a pas vu parce qu'en fait il vient d'en haut, il passe direct et il tombe direct en fait. On va bien voir si j'arrive à le voir ou pas. Et puis de toute façon, quand je vais mourir, je vais retourner dans le mode studio et je vais regarder s'il spawn. Voilà, voilà, vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Il est passé juste devant moi et il est tombé direct. Donc voilà, là je vais mourir. Vas-y, tuez-moi. Et vous allez voir que c'est vrai ce que je dis. Vous allez voir. Il est tombé, il a passé à travers le sol. Donc j'espère que le mode studio va fonctionner. Donc je sais pas, on va bien voir ça. Donc voilà, le clip mode studio n'a pas bugué, donc c'est parfait. Donc là, regardez, on va changer la caméra. Donc là, j'attends que le Panzer spawn. Vous allez voir, il va spawn, il va spawn devant moi, il va passer à travers. Donc je vais essayer de mettre pause et tout. Moi, je contrôle pas bien le mode studio. Regardez, vous avez vu comment je fais pour mettre pause? Regardez, retour rapide. Voilà. Donc voilà, là ça va être bientôt parce qu'à un moment je bouge. Regardez ça. Regardez, le voilà, le voilà, il est en haut là. Regardez ça. Bam. Vous avez vu? Là, vous avez vu. Hein. Donc voilà, c'est complètement glitché. Donc vous allez sur le petit bois là que vous voyez là, juste derrière moi, là, le bois qui ressemble à un os. À une côtelette là. Donc voilà. Je pense réellement que si vous faites bugger le premier Panzer, donc je pense qu'on peut pas le voir hein, sur la map. On peut pas mettre une caméra libre? Ah si. Et je peux pas aller en dessous de la map? Voilà. Mais je peux pas aller en dessous de la map. Mais bon, je vous assure que je pense réellement que si le premier Panzer est glitché, les autres ne spawnent pas. Parce que, ou alors tout à l'heure je l'ai pas vu, mais à mon avis c'est possible aussi que je l'ai pas vu. Mais après j'étais jusqu'à la manche 22, il n'y en avait pas eu un autre. Voilà, je sais pas vraiment à quelle manche ça spawn les Panzers. Mais bon, si quelqu'un fait ce glitch, n'hésite pas à dire dans les commentaires, j'épinglerai ton commentaire si je le vois. Pour me dire si les Panzers respawnent après avoir glitché le premier spawn. Mais je pense que non, en fait les Panzers ils ne respawneront pas. Comme on n'aura pas tué le premier Panzer, ben, je pense que les spawns de Panzers seront glitchés et ça ne spawnera plus.
Donc après, je ne saurais pas vous dire plus. C'est ce que je pense, mais après, il faut vérifier. Donc voilà, j'espère quand même que ce petit glitch vous aura plu. Franchement, c'est quand même un glitch épique, hein, parce qu'on va pouvoir jouer sur la map origine sans avoir les Ponzer au cul. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, si ce glitch vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao, peace. Dumb, 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 dumb